Les journalistes jamais en mal de formule appelleront cela le tarif maison. Durant un automne flamboyant, Nantes s'imposera plusieurs fois 3-0 face à des adversaires anesthésiés. La série débute avec la venue de Saint-Étienne, le coup franc. Et joué à 100 à l'heure par Endoram, Loco bien sûr, 1-0. Je regarde à droite et je donne à gauche. Il y a du génie dans les approches nantaises. Il y a toujours l'efficacité au rendez-vous dans les pieds de Loco. Extérieur du pied droit après 2 minutes de jeu. Ce soir-là, Saint-Étienne explose d'entrée. À peine la remise en jeu est-elle effectuée, Endoram en relais avec Wedek. Endoram tente sa chance, Wedek a suivi et 2-2. Il faut tenter pour y croire. Il faut y croire pour tenter. Les Verts KO après 4 minutes. Casagrande effectue ses grands débuts en remplacement de David Marot, écarté à l'issue du match de Martigues. Le disait Ferry, De Croix, Makelele. Makelele qui s'en sort au milieu de 3 Verts. Sur la droite, il a donné à Loco. Makelele est allé se replacer. Nantes mène 3-0. Quand ce n'est pas Loco, c'est Wedek. Quand ce n'est pas Wedek, c'est Endoram ou Pedros. Et quand ce ne sont pas eux, c'est encore superbe. Makelele, premier but de la saison. Spectateur attentif, Reynald Pedros. Ce soir, la Nantes arrête les frais par charité chrétienne. 9 matchs, 6 victoires, 3 nuls, 1 point d'avance sur Lyon. Chapeau, le début de saison des Canaries.